Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, je suis limite un peu survoltée. J'ai trop hâte de faire cette vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais tester des recettes de glace méga populaires qu'on a vues un peu partout sur TikTok, genre glace Kinder, etc. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai reçu mes petits moules à glace ce matin, donc je me suis dit, allez hop, j'ai un peu de temps, je vous fais la vidéo. Donc c'est parti! Voilà donc, première recette, je suis sûre que vous l'avez vue partout. C'est une glace avec des Oreos et de la crème liquide, donc rien de plus simple. Donc il faut ouvrir délicatement l'emballage. En fait c'est peut-être ça l'étape la plus dure. Vous retirez l'emballage de ceux-là. J'ai envie de les manger là. On les remet délicatement à l'intérieur. Voilà, une fois que vous les avez mis dedans, vous les cassez. C'est assez satisfaisant. Vous rajoutez tout simplement de la crème liquide épaisse, voilà, 30% de matière grasse. Ok. Et vous foutez pas de ma gueule, mais j'avais pas de bâtonnet en bois assez long. Donc, je vais prendre une paille. Ça va très bien. Hein. Voilà, et ça part au congélo pour 2 heures. Cette recette était méga simple et méga rapide, donc franchement, si elle est bonne, juré, je pense que je vais la refaire plein de fois. Ok, recette numéro 2, c'est une glace un petit peu plus healthy, si on peut dire. Donc, il vous faudra un yaourt grec, du sirop d'agave, du chocolat et après, vous mettez les fruits de votre choix. Rien de plus simple, la fille dans la vidéo, elle mélangeait le sirop d'agave ok. Oh là là. Regardez, il est tout mou tellement il fait chaud. Oh, j'avais pas vu qu'il était fourré au lait. On est sur le Carrefour, le budget vidéo a vraiment bien baissé. Ça, c'est à cause des parfums Wish. Une. Ceci dit, il est très bon, hein. Mais du coup, ça va être compliqué, à mon avis, de faire des brisures vu qu'il est mou comme ça. Au pire, je vais faire des carrés, je pense. Bon, j'essaie de faire des brisures, mais c'est pas possible. Le chocolat, il est tellement mou que c'est pas possible. Donc, écoutez, c'est pas grave. Ça fera des plus gros morceaux, hein? Ça sera plus gourmand. Je devrais pas faire une vidéo là-dessus. Léo n'est pas gourmand donc je vais devoir tout enlever. Mon dieu. Du coup, j'ai acheté des petits moules comme ça sur Amazon à 13 euros. J'en ai 3 comme ça. Donc, c'est des petites glaces. Je me suis dit que ça suffirait, mais finalement, je pense que ça va pas suffire. Je pense que je vais rajouter du chocolat. Ok, du coup, un yaourt grec. Ça m'a fait 3 glaces comme ça. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Je vais mettre ça au frais. Vous m'avez pas dit que j'ai oublié de mettre les framboises. On peut pas compter sur vous. Hein. Putain, je suis tête en l'air. Hein. J'ai oublié les framboises. Bon. Et vous oubliez de mettre les framboises, du coup, bah ça dépassera. Tant pis. Can you walk life in my shoes? Can you see the things I do? Can you tell me what you see and then deny my words? Glace numéro 3, je pense que celle-ci ça va être ma préférée. On va refaire une glace imitation Oreo. Donc pour ceci, vous aurez besoin de 400 ml de crème toujours épaisse 30%, de lait concentré. On va venir rajouter 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée dans le lait concentré. Et ensuite, donc, pour faire l'enrobage de la glace, on va faire fondre du chocolat blanc qu'on va mélanger avec voilà, des petits éclats d'amande. Je dis combien ? 375. Hein. Oh non ! Oh là là, c'est sucré. Hein. Ça fait des lustres que j'en ai pas mangé. Des fois, quand j'étais petite, je mangeais ça, mais genre comme ça, là, dans les tubes. C'est trop bon, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est sucré ! Ok, ensuite, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. Donc là déjà, on va mélanger. La meuf mélange à la cuillère. Voir si c'est bon.
Bien sûr que c'est bon. C'est du sucre. Ok. On mélange. Moi, je suis gourmande, je vais peut-être en mettre plus. Ouais, parce que une, ça paraît pas beaucoup quand même. Ouais, je vais en mettre deux. Oh, je vous jure, ça sent trop bon. Ah, vous vous rendez compte, si ça a le goût des Raffaello, on paye ça peut-être genre 4 ou 5 euros, je sais même plus combien ça coûte, j'en achète jamais, mais ça coûte la peau du cul, alors que, en vrai, ça se fait tellement facilement. Vraiment des pigeons. Bon, ça m'a l'air pas mal. Ça sent bon, ça sent trop bon. On va les faire là-dedans, tiens. Dans des petits moules, comme ça. Ils sont stylés en plus, hein. Je peux pas trop vous montrer là, parce que sinon, clairement, ça dégouline. Je vais mettre ça au frais. Le résultat final sera le meilleur. Can you walk life in my shoes? Can you see the things I do? Can you tell me what you see and then deny my words are true? Can you walk life in my shoes? Can you see the things I do? Can you tell me Recette numéro 4 et dernière recette de glace de cette vidéo, on va faire une glace à l'avocat et à la pistache. Alors, c'est une préparation que j'ai faite hier du coup. J'ai tout simplement mixé des pistaches avec un petit peu d'huile de tournesol et ça m'a donné une espèce de pâte comme ça. Donc voilà, ça je l'avais préparé en amont. Vu que moi j'en fais pas beaucoup, je vais prendre qu'un avocat, mais de toute façon je vous laisserai toutes les recettes, tous les TikTok en barre d'infos, ça sera plus simple pour moi et pour vous. Vous croyez que ça passe là-dedans? Je vais tenter. Du coup, donc moi, vu que j'ai des petits moules, encore une fois, je divise par deux. Donc moi je vais mettre qu'un avocat, 35 grammes de sirop d'érable, du lait d'amande, le mélange bizarre là, la pistache et du jus de citron. Mûre à point. Franchement, celle-ci, c'est la glace que j'ai le moins envie de tester. Parce que c'est la glace la plus chelou. Le mec, il dit sur TikTok que c'est très surprenant. Mais bon. Mais du coup, je sais pas. J'ai un peu peur, je vous avouerai. Une glace à l'avocat, je suis pas sûre. Du coup, moi j'avais préparé déjà 50 grammes de pistache. Lui, c'est vert vert comme de la pistache. Moi, c'est, on dirait un caca de bébé quoi. Mmh. 35 grammes de sirop d'érable. Voilà, au moins lui, il met le lait en grammes. Ça, c'est bien. Vous avez vu. Ah, ma nappe, elle est bonne à laver. Regardez, ça donne ça. Bon, là, c'est beau, hein, ça fait envie, mais je vous jure que l'odeur fait moins envie, hein. Mes petits moules. Est-ce que je goûterais pas déjà comme ça? J'en goûte, mais. Je vous dis pas. On verra quand ça sera froid. Peut-être que ça va changer le goût. Alors. Et... Tadam! Est-ce que ça vous donne envie? Sûrement pas. Ok les gars, j'ai fait les quatre préparations. Du coup, bah, on va attendre que tout ça prenne et on se retrouve demain pour la dégustation. Dormez bien mes petites. À demain! On se retrouve pour la dégustation. On se retrouve quelques jours plus tard, je vous avouerai. Du coup, donc là, j'ai la glace au yaourt grec et à la framboise. Donc, let's go. Oui, c'est bon. C'est pas la folie, genre c'est pas la meilleure glace que j'ai goûtée. Je vous avouerai qu'en fait j'ai déjà goûté en fait. En fait j'ai déjà goûté toutes les glaces parce que je suis gourmande, mais j'avais pas filmé. C'est pas assez bon pour que j'en refasse en tout cas. Mais quand même c'est pas mal. Allez, 6, 7 sur 10. Glace suivante, je sais pas si vous vous souvenez, c'était la glace à l'avocat.
J'avais goûté un peu la mixture. J'avais trouvé ça vraiment pas foufou. Vraiment, j'appréhende de ouf. Enfin, j'appréhende. J'avais déjà un peu goûté, mais j'appréhende encore plus maintenant que je sais que c'est pas foufou. Je vous jure, c'est dégueulasse. Et pourtant, j'aime l'avocat. Et le mec dans sa vidéo, il dit, vous verrez, c'est surprenant, mais c'est très bon. Refaites pas ça chez vous. Je vous jure que c'est dégueulasse. Je vais pas la manger. Je suis désolée, mais c'est pas bon du tout. 0 sur 10. Je suis désolée. Elle est pas bonne, pas bonne, pas bonne. Ensuite, ah oui, je vous ai pas dit, j'avais fait une Kinder. Je vous avouerai que je l'ai mangée et que j'ai oublié de vous filmer ma réaction. Du coup, c'était pas fou, honnêtement. Quand on tombe sur les morceaux de Kinder, c'est sûr que c'est super bon. Mais quand vous tombez que sur la crème, ça n'a pas de goût, en fait. Donc, sans intérêt. Ouais, je mettrais, j'aurais mis 5, du coup. Et du coup, la dernière glace. Et ça. Et donc, dernière glace, je vous ai passé l'étape du nappage. J'ai tout simplement fait fondre du chocolat blanc. J'ai mis un petit peu de noix de... Un petit peu d'amande concassée à l'intérieur. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup parce que ça n'a pas très bien tenu. Celle-ci, c'est ma préférée. Celle-ci, je mets 10 sur 10. Je l'avais déjà goûtée. Franchement, je suis désolée, mais je suis trop gourmande. J'ai pas pu vous attendre. Je vous ai presque toute finie. J'en ai gardé juste une. Testée, ça, c'est super bon. Il vous faut que deux ingrédients. Bon, c'est très calorique, c'est très sucré, on va pas se le cacher. Mais franchement, celle-ci, 10 sur 10, si vous devez faire qu'une recette de glace de cette vidéo, c'est celle-ci qu'il faut faire, c'est les Raffaello, parce que vraiment, elle est succulente. Les gars, je suis désolée, j'ai oublié de filmer mon Nutro. Ah, c'est prêt. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dimanche prochain. Ciao!